D'accord. J'ai gardé mon chewing-gum. Faut pas que je mâche. Et plus de lumière que d'habitude, ça devrait faire la journée. Hello Life Company et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais te faire un petit récapitulatif du partenariat avec la boutique Pandaou, parce que c'est les dernières semaines que tu as vu. En fait, j'ai fait plein de tutos en partenariat avec la boutique. Et aujourd'hui, bah, j'ai fini. J'ai fait tout le tour de toutes les vidéos. Donc du coup, celle-ci, c'est la dernière. Et c'est la présentation globale de tout le partenariat, quoi. De tout ce qui s'est passé. Voilà. Ils m'ont pas demandé de faire cette vidéo-là, mais je voulais la faire quand même. Je crois qu'en plus, ils m'avaient dit seulement 3 ou 4 vidéos. Arrivé là, j'en ai presque le double. Ah, mieux vaut trop que pas assez, comme j'aime si bien le dire. Hein. Voilà. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, je te fais le petit récapitulatif du partenariat. Donc le matos qui me reste et les bijoux que j'ai réalisés. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu le grand bordel. Mais j'ai tout réuni dans ce grand pochon en organza. Voilà, donc tout tient là-dedans. Et je rappelle, pour le partenariat, j'avais droit à 20€ frais de port compris pour le matos que j'avais pris. Et avec les 20€, bah, j'ai fait plein de petites choses. Et je peux encore en faire parce qu'il me reste un petit peu quelques petits trucs, quelques articles. Donc je peux encore en faire. Mais en ce qui concerne les vidéos sur YouTube en partenariat avec la boutique Pandaou, c'est fini. Voilà, on n'en parle plus, ça y est. Donc bref, du coup, je te montre tout ça. Voilà. Donc on va commencer avec le matos qu'il me reste. Donc il me reste pas grand chose finalement, hein, de la chaîne. Enfin, la bronze, je m'en suis pas servie parce que j'ai fait une erreur. J'aurais dû prendre de la dorée, puis je sais pas pourquoi j'avais pris la bronze à la place. Du coup, la chaîne bronze, je m'en suis pas du tout servie, et elle est toute neuve. Et la chaîne argentée, il en reste quasiment plus. Et tout ce qu'il y a là-dedans. Donc je te montre ça plus en détail. Pour une fois, on va se plaindre qu'il y ait trop de soleil, c'est bien que ça quand même. Donc comme je viens de le dire, eh bien voici tout le matos qu'il me reste de notre partenariat. Donc le carrousel, je m'en suis servi qu'une fois. Donc il reste encore pas mal de petites choses à l'intérieur. Les petites barrettes, c'était un lot de 5, du coup il m'en reste plus que 2. Les petits cadres pour la résine, c'était un lot de 10 et du coup il m'en reste plus que 2 aussi. Les petits moules en silicone, bah forcément, ça je les ai encore tous, hein, parce que bah, tuto avec ces petits moules. Les petits connecteurs lune, c'était un lot de 10 et du coup j'en ai utilisé que 3, alors il m'en reste encore 7. Les petites perles jade, alors, je sais pas combien il y en avait exactement, mais je m'en suis servi 2 fois lors de mes tutos. Et il me reste également de la chaîne argentée, donc il m'en reste pas beaucoup. Et la chaîne bronze, parce qu'elle est entière. Il y a encore les 10 mètres, parce que bah, finalement, je m'en suis pas servie du tout, parce que j'ai fait une bêtise, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'aurais dû prendre de la chaîne dorée, puis bah, je sais pas pourquoi j'ai pris de la bronze à la place. C'est une erreur de ma part, et je m'en excuse. Et voilà en ce qui concerne le matériel qu'il me reste. J'avais également pris des connecteurs torque, mais c'était un lot de 2 et j'ai utilisé les 2 lors de mes vidéos tuto. Donc pour le matos, c'était tout. Voilà, j'ai fait tout le tour. Et maintenant, je vais te montrer les bijoux que j'ai réalisés pour le partenariat. Forcément, c'est la vidéo qui est faite pour ça. Je vais faire dans l'ordre. Donc le premier tuto que j'avais réalisé, c'est les 4 petits bijoux en polymère et en résine. Voilà, ces 4 petits là. Alors, je n'ai pas précisé tout ça. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais tous les liens, les articles, même mes tutos, le lien qui met directement à mes tutos sera en barre d'infos. Comme ça, si voilà, hein, t'as compris, c'est bien. Donc bref, du coup, voilà, le premier tuto, c'est ces 4 petits bijoux là. Voilà. Donc le deuxième tuto que j'avais réalisé, c'est encore de la résine. Tout à l'heure, c'était polymère et résine. Là, c'est 100% résine. Je vous ai montré plusieurs façons d'utiliser les cadres pour la résine. Donc voilà, il y a plein de petits bijoux pour ce tuto-là. C'était un 6 en 1. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je perds ma voix. Voilà, plein de petits bijoux.
tu descends aussi. Oh, je vais pas rester bras en l'air. Voilà. C'est chiant, hein. Tout ça pour manger mes bracelets en plus. Hein? Le troisième tuto que j'avais réalisé, c'était ces petites barrettes pour mes filles et moi-même. Des barrettes, des pinces, des peignes. Je sais plus comment on appelle ça exactement. Ben voilà, il va encore de bouffer mes bijoux, il est chiant ça. Bref, voilà, tes petites barrettes. C'était cette parure là, assez chargée, hein, faut le dire. Mais moi j'aime bien, je trouvais ça joli quand même. Donc il y avait le collier torque et les petites toutes petites boucles d'oreilles, hein. Toutes petites. Hein. Voilà. Là c'était que du montage. On m'avait déjà demandé comment je faisais pour monter mes bijoux, et bah du coup j'en ai profité de ce partenariat pour faire ce tuto là. Voilà. Cinquième tuto que j'avais réalisé, ce sont ces deux petits bijoux là, des cadres pour la résine, et je voulais vous montrer une façon différente d'utiliser ces cadres là, qu'on n'est pas obligé d'utiliser de la résine, qu'on peut très bien faire de la polymère à l'intérieur. Moi j'avais fait des choses assez basiques en soi, hein. Une espèce de bibliothèque entre guillemets, et un cadre comme pour un tableau qui enferme du bois, je sais pas comment dire. Ce qui est génial avec ces petits cadres là en fait, c'est que tu peux t'en servir comme un espèce de tableau et faire ce que tu veux à l'intérieur. Et c'est un peu ce que j'avais voulu faire dans ces deux bijoux là. Il y en a un avec des livres et l'autre avec du bois, des branches. Voilà. Ce que je fais d'habitude avec mes cadres comme ça, c'est souvent je fais des petites fées ou des petites sirènes, mais je rajoute de la résine aussi. Mais, enfin bref, voilà. Non, avec ces cadres là, c'est... Tu peux faire des choses à l'infini. Il faut juste laisser libre cours à ton imagination. J'ai du mal à parler, dis donc. Le sixième et avant-dernier bijou que j'ai réalisé pour le partenariat, c'était cette parure-là aussi, oui. Moi, j'avais fait des perles, mais je les ai pas mises. Non, les perles, je les ai pas prises. C'est pas grave. Du coup, là, c'est le... J'y arrive plus, au secours. Cette parure-là. Voilà. Le tout dernier tuto que j'ai réalisé, et bien c'est ce collier là, ce collier torque, voilà, avec plein de plumes. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. C'est la dernière vidéo. Ouais, non. Enfin, c'est une des dernières. C'est le dernier tuto, donc c'était une vidéo pas longtemps avant celle-là. Voilà. Je sais plus où j'en suis dans mes vidéos, là je suis un peu perdue. Bref. Là c'était le dernier bijou. Voilà, voilà. Thank you.
bah c'est tout pour moi. J'ai fait tout le tour de cette vidéo. Voilà. C'est encore une vidéo longue, hein. On a l'habitude maintenant. Oh mon bébé, qu'est-ce que tu fais? Mais oui! Donc j'espère ça. Ah non, bientôt, je suis plus cadrée. J'ai bougé la caméra maintenant. C'est à cause de tes conneries, ça? Bah oui. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu, que ces mes tutos t'auront plu aussi, t'auront intéressé, aidé, donné des idées. Comme d'habitude, hein. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, même si je suis un petit peu longue à répondre, je l'avoue. Et je le fais quand même, parce que c'est la moindre des choses. Voilà. Bon bah comme tu l'as compris, j'en ai fini avec les tutos en partenariat et maintenant je vais reprendre le bon vieux tuto comme avant. Enfin ceux-là aussi c'était les mêmes, hein. Si j'étais pas en partenariat, ça aurait été des tutos que j'aurais fait quand même. T'as compris ce que je voulais dire? T'es trop fort. J'ai rien à dire. Mais ouais, donc, du coup là, maintenant c'est des tutos classiques sans partenariat qui vont reprendre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai trop du mal à m'exprimer, c'est horrible. Ouais, du coup, maintenant c'est le temps, c'est le moment, c'est l'heure, ouais, de couper court à cette vidéo. Donc je me fais tout plein de gros boutons. Et bah, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!